Une intercommunalité, qu'est-ce que c'est ? Prenons quelques instants, on va tout vous expliquer. C'est un groupement de communes qui rassemble leurs efforts pour gérer des projets, des politiques, des équipements qu'une commune seule ne pourrait pas conduire à son échelle. L'intercommunalité permet ainsi de mutualiser et concentrer des moyens sur des actions et des projets au service de tout son territoire. Dinan Agglomération est un vaste territoire à dominante rurale où vivent près de 105 000 habitants. L'agglomération s'est construite autour de sa ville-centre, Dinan, de centralités dites secondaires et d'un réseau dense de communes qui, partageant une même vision d'avenir, explique son dynamisme. Au quotidien, l'intercommunalité s'organise autour de trois instances. Le conseil communautaire, composé de représentants élus de chaque commune de l'agglomération. Ils délibèrent sur le budget, les politiques publiques, les grands chantiers à conduire. Ce conseil élit un président et un bureau, composé lui-même de 15 vice-présidents. Il assure la gestion, la préparation et l'exécution des décisions. La conférence des maires, quant à elle, débat des stratégies et enrichit les échanges entre les communes et Dinan Agglomération. Dinan Agglomération, c'est très schématiquement quatre grands champs d'action. L'aménagement du territoire avec le soutien financier aux communes, l'urbanisme et la stratégie foncière, le logement, l'habitat, l'accueil des gens du voyage, la voirie communautaire, le financement de grands projets structurants routiers, ferroviaires, numériques. Le développement du territoire, avec le soutien à l'économie, au tourisme, à l'agriculture, aux activités maritimes et également au développement des mobilités. Les ressources et leur valorisation, avec l'eau à distribuer, à assainir, mais aussi à protéger, les déchets à collecter, à traiter, à valoriser, les défis de la transition énergétique à mettre en place et à favoriser, les enjeux posés à notre environnement et à notre patrimoine à sauvegarder et à partager avec toute la population. La cohésion sociale et la citoyenneté, avec l'accueil de la petite enfance et de l'enfance. La culture avec une programmation de spectacles. Les bibliothèques, ludothèques, le sport, la santé, le soutien à la vie associative. Autant de services à la population attendus. Pour conduire toutes ces actions, Dinan Agglomération dispose d'une administration de 550 agents répartis sur tout le territoire, au siège à Dinan, dans 5 antennes techniques, 13 structures de la petite enfance, 9 déchetteries et bien d'autres équipements encore. Pour mener à bien toutes ces missions, Dinan Agglomération dispose d'un budget lié à différentes ressources. La fiscalité directe, les taxes, les dotations de l'État, les subventions, les recettes liées aux services, mais aussi le recours à l'emprunt. C'est un travail permanent de recherche d'équilibre entre maîtrise de dépenses et besoin de financement de politiques publiques et d'investissement. Il aboutit chaque année au vote du budget communautaire, un budget équilibré au service du territoire.